Grâce à toi, en particulier mon ami et mon frère Jacques Casamarthe et tous les militants de Parapatch, ainsi que les militants de l'association ML d'Atida Barbora et la PTC, association tunisienne en Corse, je vous souhaite une très bonne année, meilleure que. Espérons que 2014 on continue encore nos actions. Bonjour à tous, donc nous voilà, enfin le 2013 il se termine avec pas mal de tristesse par cette vidéo. Je rends hommage à tous les martyrs, à tout ce que la maladie ne les a pas épargnés. Personnes qui sont les défenseurs de la cause palestinienne, comme avec les amis palestiniens au niveau de triste en deuil. Désormais, il est vite. Je pense que les chagrins sont devenus des pierres solides. Rien que pour les respecter, je pense qu'il faut. Il faut continuer leur combat. Je suis encore enfant. Pour nous tous, pour moi en particulier, ils sont toujours dans le cœur. Dans un monde qui est bizarre. Je pense aussi aux enfants de Gaza que malheureusement ils ont fêté avec des bombardements comme cadeau par les sionistes israéliens qui ne veulent pas, qui ne cherchent pas la paix. Nous voilà, j'espère bien que ce 2014 sera encore meilleur. À cette occasion, je vous souhaite de la santé pour vous et vos familles. Et que, espérons bien, on va bien la commencer avec Parapatch, l'association que je représente à Paris. Nous avons terminé bien, comme on dit, puisqu'on a mené une action humanitaire envers la Tunisie, plus côté de la Sardaigne. Sans parler de Burkina Faso, le Maroc, et le Balkan. Moi, je rêve d'un monde que l'année prochaine encore, il y a d'autres actions à venir. Il n'y a pas le roi César. Parce que pour moi, le monde est la besoin de nous tous, la main dans la main. يجينا ربيع وتتجلى على القلب كدار ان شاء الله يا رب يا غيب الاحباب يجينا ربيع وتتجلى على القلب كدار
سوري حوس لي برور في الغربة عديت أيامي درت البلدان كل مخمور شوف في خيالك في منامي شوف في ذياب عليك تغور نسات اللي احنا ليك مالي من دمعاتك بنا وقصور ونسى واحوالك وحوالي نرجع لك ديما ديما ونفرفت فرح ما نحرفي زناقك لقديمة ما مبدات البرح نرجع للات البدور فني وغرامي حزب المهدية والفسطية والملاسين السيدة المنوبية بلاد النب الزن والكد والعود الشايح والسور الطايح لي بيت ساري مروح لي بجري عارف أسرارك اللي مجرك Peut-être juste un instant. Le vent de la nuit lui caressait le visage. Je ne saurais vous dire où était son pays, où était sa maison. Si elle était femme de marin, de paysan, d'exilé ou d'émigrant. Si elle avait franchi la mer, une montagne ou l'océan. La terre semblait être derrière elle. En la voyant marcher, on pouvait imaginer qu'elle la portait toute seule sur ses épaules. Allez donc savoir ce qu'elle s'en allait chercher, ce qu'elle aurait aimé entendre cette nuit-là. La nuit, les regards des hommes s'éteignent un peu. On dit que la lumière est à l'intérieur. Dans un village, au fond d'un port, en haut d'une montagne, un phare dans l'océan, ou bien une étoile dans le ciel. À chaque chant qui résonnait, elle accordait son âme, elle accordait ses pas. Elle disait qu'elle voulait apprendre le chemin jusqu'aux plus beaux signaux du monde, jusqu'à la beauté qui unit les hommes et les peuples.